Bonjour Agnès. Bonjour Mehdi. Aujourd'hui on se voit pour une vidéo assez importante, assez conséquente, qui va parler de la toxémie. C'est compliqué à comprendre. Moi personnellement, je ne sais pas vraiment ce qui relève de la détox ou ce qui relève de... Bah, je ne sais pas, tu vas nous en parler. La toxémie, et puis on va parler aussi de la détoxination et de la détoxication. C'est un gros morceau, alors on va peut-être pas réussir à tout dire parce que bon, j'en ai écrit 25 pages. On les retrouvera dans le livre quand il paraîtra, la totalité et l'intégralité. Mais là déjà, on va essayer de lever certaines zones d'ombre, certaines choses obscures parce que les questions reviennent en grande partie toujours les mêmes. Hein, et on va essayer de voir ça. Déjà, faire la différence entre la détoxination de printemps, où on nettoie un petit peu ce qui reste des déchets métaboliques que le corps produit et élimine au fur et à mesure, et puis donc pas suffisamment. Et puis la détoxication qui, elle, concerne les métaux lourds, les substances toxiques dont on a soit hérité de ses parents, soit dont on a été en contact avec, soit les amalgames dentaires, l'amiante, etc., tout ce qu'on ingurgite dans l'air, dans l'alimentation, et qui nécessite là des soins particuliers. Donc il y a beaucoup de questions en rapport avec ça. Et, bon, déjà expliqué qu'il y a une différence aussi entre la toxémie innée, celle dont on hérite, parce qu'on hérite des médicaments qui ont été pris par nos parents, par nos grands-parents. Là, c'est exponentiel parce que maintenant, quand on regarde la proportion de personnes qui sont sous antidépresseurs ou qui prennent des médicaments au long cours, ne serait-ce que la contraception, tout ça, ça s'accumule, on transmet à nos enfants. Et voilà. Donc, par exemple, la cortisone, il faut savoir qu'il faut 4 générations de crues pour effacer la cortisone, hein, parce que sinon ça s'accumule. Donc, d'accord, voilà. Et ça, on ne pense pas, parce que quand on se lance tout de suite dans le cru ou dans une bonne hygiène de vie, on a l'impression qu'on va tout de suite éliminer des dizaines et dizaines d'années de, bah, d'empoisonnement, entre guillemets, quoi. Et on sous-estime en fait le caractère long terme, si je peux dire, la persistance de ces choses-là. C'est sûr. On sous-estime la durée de détoxination, de détoxication. Ça, c'est évident. Hein. Et puis, on sous-estime l'héritage qu'on a reçu. On sous-estime nettement. Il faut savoir que tout ce qui a été utilisé, gaz moutarde pendant la guerre, au XVIe siècle, ils ont soigné les gens avec du mercure avant de se rendre compte qu'ils les empoisonnaient. Donc tout ça, ça s'est accumulé. On arrive à une période maintenant où les enfants qui naissent, ils ont entre 130 et 170 produits toxiques. D'accord. Au prélèvement de sang au cordon ombilical qui a passé la barrière placentaire. Donc c'est énorme, énorme. D'accord. Ok. Donc, il y a le mercure, l'amiante, et puis l'alcoolémie, que ce soit en ville ou etc. Donc, s'il y a eu un grand-parent alcoolique, il y a eu des enfants, tout ça s'accumule, tout ça, ça reste. Donc, des fois, on se dit, mais comment ça se fait? Moi, j'ai toujours fait attention à mon alimentation. C'est les parents, les grands-parents On hérite de tout. D'accord. Ça. On a traversé des guerres, il y en a qui ont été gazés, ils ont eu des enfants après. Autour de la guerre, tous ces jeunes gens, voilà, tout ça, ça se transmet, tout ça, ça s'accumule. Si la question vous intéresse, vous allez sur le site de Christophe Bernard, Altea Provence, Histoire des plantes, choc des deux écoles, vous allez retrouver que depuis les années 1600, on commence l'augmentation de la transmission des métaux lourds. Parce que, bon, elle était avant, dès qu'on a commencé à travailler les métaux, mais certains commencent à utiliser des substances isolées et chimiques. Il y a après toute l'ère industrielle décrite par Victor Hugo, où les enfants qui travaillent dans les usines, etc. Donc, il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui, mais que
C'est exponentiel, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Quand tu dis substance isolée, c'est une substance qui ne serait pas nocive amenée dans un contexte. Mais si elle est isolée, elle devient nocive, c'est ça? Exactement, exactement. Vous avez des substances comme le zinc, le fluor, etc., dont on a besoin, qu'on trouve dans notre alimentation, mais si elle est extraite de son contexte, qui est lui un contexte porteur, facilitateur, assimilateur, etc., qui permet effectivement d'en bénéficier, et que vous donnez comme ça aux gens du fer, du fluor, etc., vous intoxiquez. D'accord. C'est clair. Et l'aluminium, etc. D'où l'intérêt de prendre un complément alimentaire avec... si on en prend, bien sûr, c'est pas recommandé, mais dans un mixé, par exemple. Si on prend par exemple un supplément en magnésium, on le met dans le mixé, c'est ça? Dans le mixé ou dans le jus, c'est très différent parce qu'il est alors réintégré dans un contexte porteur. D'accord. L'information, elle est rendue au niveau du langage de la cellule. Ok. C'est important. Oui, ouais, j'étais partie sur la toxémie innée en différente de la toxémie acquise. Alors la toxémie acquise, elle s'ajoute, et c'est celle qu'on a accumulée, nous, depuis la naissance, depuis la conception. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on a utilisé, tout ce qu'on a ingurgité, les traitements... La malbouffe, les dizaines d'années de malbouffe. Les dizaines d'années de malbouffe. Les déchets aussi métaboliques de fonctionnement, qu'on n'élimine pas suffisamment vite parce qu'on a des vies statiques, sédentaires, parce que... Les déodorants à l'aluminium, tout ça. Tous les produits qu'on utilise tous les jours, malheureusement, depuis des décennies. Et si en plus on n'a pas suffisamment d'activité physique, on garde tout ça. Si en plus on a une vie stressante, des émotions négatives, on va bloquer la toxémie. Donc voilà. Alors, l'alimentation peut produire par exemple du mauvais cholestérol, des acides gras saturés qui s'oxydent. Ça veut dire qu'ils rancissent et ils restent dans le corps. Donc ça fait des dépôts, ça épaissit le sang, ça attaque les parois des vaisseaux parce que ce sont des acides. Les corps gras qui s'oxydent, ça fait des acides. Les mauvais aliments comme le lait, les yaourts, trop de viande, trop d'œufs, etc., ça fait des acides. Tout ça, ça fait des acides. Et donc les acides, ils vont enflammer les terminaisons nerveuses, ça va faire de la sciatique, ou bien ils vont bloquer les articulations, ça va faire des cristaux acides qui se mettent dans les l'arthrose, articulations, tout ça. L'arthrose et tout ce qui est rhumatismal, ou bien ça va attaquer les parois des vaisseaux. Alors l'organisme, il va se défendre en pompant les minéraux dans les dents, enfin partout. C'est un cercle vicieux en fait. Pour essayer de colmater les brèches et l'irritation en mettant des minéraux. Mais voilà, c'est un cercle. Donc en fait, un simple problème de toxémie, en tout cas de gestion de toxines mal faites, peut engendrer des problèmes liés à la qualité des tissus, articulations, le capital minéral de la personne en fait, puisque le corps va aller pomper pour rééquilibrer. Oui, et puis il va altérer les tissus, donc il y a une dégénérescence qui se passe, après ça peut être aussi bien des problèmes cardiovasculaires. La toxémie est à l'origine quasiment de toutes les maladies auxquelles on est confronté. D'accord. Ok. Par exemple, au niveau des voies respiratoires, si on ne consommait pas de céréales, il n'y aurait pas d'asthme. Tout ça, ce sont des toxines. Le corps est obligé de fabriquer du mucus pour essayer d'évacuer. Oui. Voilà. Ouais. Quand il n'y arrive pas, ça fait de l'inflammation. À quelque niveau que ce soit, ça nous renvoie toujours à la toxémie. D'accord. Même les maladies. Ouais. Okay. Oui, oui. Si tu prends quelqu'un qui a un cancer,
Si tu regardes au niveau de la lymphe au lieu d'être claire, limpide, la lymphe c'est ce qui est justement là pour véhiculer, faire circuler les déchets métaboliques des cellules. Hein, quand les cellules ont trop de toxines, elles déversent dans la lymphe. Donc quand la lymphe, au lieu d'être un liquide clair et limpide, ressemble à une vieille huile de vidange... Ouais, ça veut tout dire. C'est comme voilà, une voiture. Quoi. Et ça veut dire que les cellules sont à l'asphyxie. Si les cellules sont à l'asphyxie, il n'y a plus de lumière qui rentre. S'il n'y a plus de lumière, s'il n'y a plus de nutriments qui passent, alors on commence par des problèmes de « Ah ben moi, je ne fixe pas le calcium, je ne fixe pas le fer, je si, je ça. » C'est que le début. D'accord. À la fin, voilà. Ok. Du coup, mais pour une personne qui fait attention, une personne qui a changé son alimentation, qui a changé son hygiène de vie, une personne qui fait attention, comment expliquer à cette personne que elle pourrait être en toxémie alors qu'elle fait attention en fait? Ben oui, je l'entends tous les jours ça, j'ai changé d'alimentation, je fais du sport, deux fois plus que ce que je faisais avant, où j'en faisais pas du tout, et puis maintenant je fais pas mal de sport, et puis mes problèmes sont toujours là, ça fait un an que je fais des jus. Et puis à cause de cette peut-être mauvaise compréhension, ces gens-là sont amenés à mettre la responsabilité sur cette fameuse hygiène, cette fameuse alimentation. On l'a vu avec le sportif vivant, on l'a vu avec Céline Repetto, des gens comme ça qui avaient une... Bon, ils ont peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, mais ils ont fait machine arrière parce que la détox les a impressionnés, je sais pas... C'est possible, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas faire vite avec la détox, parce que si on se mettait à sortir tous les poisons d'un coup, on pourrait bien ne pas y survivre, enfin, ouais, j'exagère, ouais, mais voilà, quand on relargue des poisons, c'est à petite dose. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que l'organisme soit capable de les acheminer vers les émonctoires, et les émonctoires capables de les extérioriser. C'est ce que disent les personnes qui parlent des méthodes pour libérer les métaux lourds du corps. Ouais. Ils disent qu'il faut faire ça petit à petit, sinon... Il faut accompagner la chélation, ça c'est fondamental. C'est fondamental, et puis de toute façon, on ne peut nettoyer que petit peu par petit peu, ça ne peut pas être autrement, c'est dans l'ordre des choses. Pour éliminer les poisons, il faut déjà que les cellules aient l'énergie. Donc déjà, on va commencer à apporter les matériaux et l'énergie au corps, hein, et puis ensuite, le corps, quand il est prêt, voilà, moi j'ai des personnes qui vont être pendant... plusieurs mois à seulement remonter en énergie et accumuler des matériaux. Et elles vont dire, mais je me sens mieux, je me sens mieux, je me sens mieux, puis tout d'un coup, la détox va arriver. Et effectivement, il faut savoir que ça doit arriver, ça doit se faire, et que ça peut être grandement amélioré par les jus ciblés et par tout ce qu'on a comme ressources à notre portée pour adoucir. Mais on ne peut pas en faire l'économie, les étapes, ouais. Et on ne peut pas aller trop vite, parce que sinon, alors, les crises de détox peuvent être vraiment trop violentes. Et là, on peut avoir justement... On peut abîmer ses reins, on peut... Donc voilà, il faut absolument que ça s'accompagne d'un drainage, et puis il faut prendre le temps, on ne peut pas faire plus vite. Voilà, si les reins sont trop faibles, ils vont laisser passer de la toxine, ils ne vont pas pouvoir évacuer au fur et à mesure, et alors les toxines vont se remettre en circulation dans le corps, et ça c'est très fréquent. Les gens disent, j'avais plus de candidose, voilà qui revient, au secours, moi j'ai pas fait tout ça pour rien. Non, on n'a pas fait tout ça pour rien, mais c'est normal, on enlève par strates, et puis quand il y a des poisons qui sont évacués par exemple du cerveau, ils vont descendre. Et il y en a qui vont se perdre en route dans la thyroïde, ils vont automatiquement passer par le foie. Il y en a qui vont, le foie va peut-être avoir du mal à les évacuer, donc il va en rester une partie, etc. Et donc quand on défoie, on dit, j'ai l'impression que ça y est, j'ai nettoyé mon foie et tout, puis hop, ça revient. Parce qu'il y a encore des toxiques qui sont remis en circulation, et puis qui circulent, et puis qu'il faut drainer et évacuer.
En fait, selon la capacité et l'état des émonctoires, on peut être amené à faire plusieurs détox pour les mêmes toxines, c'est ça? Parce que la toxine essaie de sortir, fait une première circulation, et si l'émonctoire n'arrive pas à l'extraire, bah, cette toxine va se stocker autre part pour plus tard peut-être être... Non, ça se passe pas comme ça. C'est une vraie question. Oui, c'est-à-dire que si c'est pas éliminé assez rapidement, bah déjà, ça, là où c'est, ça va créer de l'inflammation, forcément. Hein, donc, ça peut être des douleurs au foie, ça peut être mal aux reins, mais ça peut être aussi des douleurs articulaires, ça peut être une poussée d'urticaire, ça peut être... Il y a mille et une façons, suivant chacun son terrain, ses faiblesses. Il y en a qui ont donc les reins un peu faibles et l'organisme a pris l'habitude d'éliminer par la peau, donc ils vont se retrouver avec des problèmes de peau qui vont augmenter et en se disant mais je comprends pas, je fais tout ça pour que j'ai plus d'acné et puis, et puis tout d'un coup j'en ai plus qu'avant. Ouais. Donc oui, il faut que les reins soient aussi suffisamment détoxifiés pour que ça se mette en route. C'est pour ça que souvent il y a tout un travail préparatoire avant. Pas linéaire quoi. C'est pas linéaire, il n'y a pas d'égalité, c'est pas le voisin avait la même chose que moi, puis lui c'est forcément c'est différent. Forcément. Forcément, si les reins sont faibles et qu'ils ont ils mettent trop longtemps à éliminer, ça va aller donner des choses suivant le terrain dont on a hérité. Hein, il y en a qui font des sciatiques à répétition, il y en a d'autres, c'est des sinusites à répétition. Et puis voilà quoi, donc il n'y a pas de règles. D'où l'intérêt de manipuler les détox avec précaution et d'y aller quand on a des émonctoires. Il faut suivre les besoins du corps. Oui, pourquoi c'est pas linéaire? Pourquoi je suis de nouveau très bas et épuisé alors que j'allais bien? Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a remonté les minéraux, il y a eu un apport d'énergie, etc. Et puis tout d'un coup, pof, ça redescend. La détoxication, la détoxination, elle se fait par strates. C'est comme des cycles, c'est ça? Donc voilà, ça ne peut pas être linéaire, il y a des crises, et puis ça va mieux, et puis voilà. Donc il ne faut pas dire, oh là là, on dirait que j'ai rien fait. Non, c'est pas rien, c'est ce qui a été fait n'est pas de nouveau à refaire. C'est qu'on passe à la strate suivante. On a des couches accumulées, des couches. Donc en principe, les crises de guérison, c'est ça monte à rebours. C'est-à-dire qu'on commence par les derniers symptômes qu'on avait, et puis on remonte à des symptômes plus anciens. Là, j'avais ça, mais il y a 10 ans, mais j'en avais plus fait, d'accord. Et ça revient. Ça, c'est aussi parmi les signes de toxémie à savoir. Donc on va, c'est-à-dire que le corps va remonte son histoire un petit peu, son histoire de santé. On la remonte dans le temps. C'est-à-dire que le corps va d'abord s'occuper peut-être de choses moins lourdes. C'est ça qui va partir le plus vite, c'est ce qui voilà. est plus récent. Et après, va aller s'attaquer à des problèmes plus anciens, de plus gros problèmes. À des couches plus profondes. D'accord. Et pareil pour l'émotionnel. Ok. Ce sont les blessures émotionnelles les plus profondes et les plus ancrées, et forcément, qui vont se sortir en dernier. Il faut savoir que c'est très lié. En remontant de la toxémie, on remonte aussi les instants émotionnels qui y sont liés, qui ont fait un blocage à un moment qui fait qu'on a bloqué les toxines. D'accord. Donc, quand on nettoie tous les niveaux de l'être, jusqu'au plus subtil. Si on fait les jus ciblés, si on est. Qu'on utilise le test kinésio ou la radiesthésie, etc. Si on est vraiment dans les besoins du corps, qu'on suit, l'évolution, elle se fait toute seule. Le fond intérieur, ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est exactement où il en est. C'est exactement où il va, c'est exactement ce qu'il cherche. Donc tout va se mettre en place. On ne fait que le perturber quand on dit « Oh là là, ça y est, ça recommence !» Il faut avoir confiance, en fait. Il faut pas que la peur s'en mêle. Enfin bon, on ne maîtrise pas tout. Et puis, oui, c'est puis comme c'est, ça. C'est moi, difficile. La première, on a l'impression qu'on retombe. Surtout quand c'est, par exemple, de l'ordre de la...
détoxication de médicaments antidépresseurs, benzodiazépines, etc. Parce que là, on a l'impression, ça crée les symptômes que c'est censé combattre, et quand on détoxifie de ces produits-là, on a vraiment l'impression qu'on replonge dans la maladie, on a des crises d'angoisse terribles, etc. Donc ça, tous les gens qui sont confrontés, toutes les personnes qui sont confrontées à des sevrages, quels qu'ils soient, connaissent bien ce que je veux ajouter qui est important, c'est que le moral descend vite quand c'est comme ça. C'est bien un signe que les émotions sont vraiment liées avec la toxémie. Le retour de toxémie, c'est aussi un retour d'idées fixes, si on avait tendance à avoir d'idées fixes, de baisse de morale si on avait des problèmes de dépression. C'est lié et donc ça arrive ensemble. Et je reçois quantité de colère, de pleurs, de reproches. Et je vous sens peut-être inébranlable parce que et parfois peut-être un peu stoïque, mais il faut rester comme le rocher et il faut laisser passer les tempêtes et les secousses. Il faut vous dire qu'avec les fusibles, elles sont quand même bien moindres qu'elles le seraient sans. Voilà, pourquoi c'est pas linéaire, pourquoi on ne monte pas graduellement comme un associé au ciel. Et parce qu'on travaille sur du vivant. Donc le vivant, c'est comme dit le Tao, tout bouge, tout est toujours en mouvement. Et puis c'est tellement complexe que ça peut pas être aussi facile, quoi. Donc, parce que le corps alterne, c'est une loi d'équilibre, il prend des forces, il évacue, il prend des forces, il évacue, c'est un peu comme les enfants, ils grandissent et puis ils grossissent, ils font jamais les deux en même temps, et même un côté et puis l'autre. Soit les dents, soit marcher, soit... Voilà, et même la croissance se fait un côté et l'autre côté. Alors parfois il y a des ignares comme j'en ai vu qui vous disent votre enfant il a une hanche plus basse que l'autre, il faut absolument lui faire un dismel orthopédique, etc. etc. Et non, c'est une erreur, c'est une méconnaissance. L'enfant il grandit un côté, puis 3 mois après, vous allez voir que ça va être l'autre côté. Enfin, c'est comme ça, c'est dans la nature. J'ai vu le mien, il a eu une dent qui a poussé de travers, un petit peu, elle se chevauchait. Et puis il est resté comme ça, parce qu'il a arrêté de travailler les dents en fait. Il a commencé à faire autre chose, donc il a commencé à mieux se tenir debout, tout ça. Et puis quand il a repris les dents, la dent s'est remise parfaitement alignée avec les autres, donc c'était assez surprenant. L'observation, on apprend énormément en observation des enfants. Ouais. Très important, ouais. Voilà. Le corps choisit ses priorités, puis souvent vous avez la lymphe qui n'est pas en état d'acheminer quoi que ce soit. Donc dans ces cas-là, c'est même pas la peine de détoxiquer. Il faut faire attention de l'état dans lequel on est. Et souvent, on meurt totalement. Et quand c'est vraiment plein, je dirais, on ne sait pas par quel bout commencer, donc il faut vraiment attendre que le corps sente et se décide pour une chose ou une autre. Parce que là, sinon, ça peut faire vraiment des dégâts. Alors, si on parle de toxémie, il y a aussi une autre chose que je peux choisir le corps pour neutraliser la toxémie, c'est de fabriquer des kystes, des angios, des tumeurs, des nodules dans la thyroïde. Alors tout ça, il faut savoir que c'est en général la présence de toxiques. Et le corps va les neutraliser de cette façon. De la graisse aussi, non? Tout simplement. Oui, tous les kystes graisseux. Mais c'est-à-dire du gras, c'est-à-dire qu'une personne prend du poids ou non? C'est différent? C'est une forme de toxémie, mais oui, c'est différent. Parce que là, c'est réparti partout. Là, ce qui se passe, en fait, c'est... Et ça peut se passer dans les yeux sous forme de ptérygion, c'est-à-dire qu'on fait un amas graisseux et la personne, on est obligé de lui enlever parce que sinon il y a un risque de cécité. C'est une mise en quarantaine du corps, c'est ce que le corps fait, c'est ça, avec les toxines. Voilà, le corps il va en fait entourer
les acides, essayer de les neutraliser. C'est ce qui fait aussi dans les vaisseaux, quand il y a trop d'acides, pour essayer. Donc on va retrouver des amas, et on va dire c'est quelqu'un qui fabrique du cholestérol. C'est par la force des choses, parce qu'il faut vraiment neutraliser les toxiques. Et donc quand le corps il travaille à ça, et des fois il travaille à ça longtemps, et puis on ignore les symptômes et on se retrouve avec un accident cardiovasculaire. Est-ce que c'est pas plus, quand les personnes font ça, est-ce que c'est pas plus intéressant pour elles parce que ça leur évite d'avoir, bon après ça dépend où, mais ça leur évite d'avoir des toxines dans les articulations, ça leur évite d'avoir des toxines avec les, bah, disons que les sciatiques, ce genre de choses. C'est quand même assez pratique, je veux dire, que le corps de faire ça, et puis bon bah voilà, si t'as envie de, tu coupes et hop, basta, enfin j'exagère, je prends vraiment... Oui, c'est évident, les nodules sont faits pour sauver la thyroïde, et en fait c'est ça qui la perd, parce qu'à l'heure actuelle, on opère les gens quand il y a trop de nodules, parce que la thyroïde ne peut plus fonctionner, de toute façon, là, quand on a attendu ce stade, voilà. Parce qu'ils sont là, la thyroïde permet de continuer à fonctionner. Quand quoi. On arrive à les détecter avant, il vaut mieux effectivement procéder à l'élimination des toxiques. Le problème, c'est que voilà, on ne le sait pas avant. Et quand il pose problème, qu'on a des douleurs, qu'on a des grosseurs, qu'on a etc., qu'on consulte, et voilà. Donc. Que ça soit nodules, kystes, fibromes, ils sont faits par le corps pour nous protéger, pour empêcher qu'ils circulent, qu'ils aillent partout, que... voilà. Et alors certains les stockent dans des kystes anodins, et puis ils les gardent toute leur vie sans qu'il y ait aucune incidence. Hein. Et puis d'autres, et ben, ça va être tellement trop. Hein, on ne peut plus compter sur la lymphe parce qu'elle est pleine, on ne peut plus compter, enfin voilà, que ben, ça va se cancériser. Donc là, c'est le stade assez tardif, ouais. On va dire. Hein. C'est pas le nombre de nodules ou de fibromes, etc., qui compte. C'est ce qui est sorti de la thyroïde et qui pour tenter de la sauver, en fait. Voilà. Et puis, certaines personnes vont éliminer facilement parce qu'elles ont un gène qui permet de ça, c'est héréditaire. Puis ils font peut-être beaucoup de sport, ouais. Ils ont un métabolisme peut-être important. Ou... Et oui, il y a tout le mode de vie, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Et puis il y a des gens qui ont beaucoup de mal à éliminer. Ouais. Et qui vont plus facilement stocker. Et donc après, bah, le corps gère comme il peut. Voilà. Avec les programmes, le corps il va agir sur un levier, et puis en fonction des répercussions, on va pouvoir réajuster à chaque fois pour remettre là où ça doit aller, etc. Donc c'est vrai qu'il faut un suivi constant si on veut améliorer sa santé. De toute façon, c'est une œuvre de longue haleine, et puis c'est une progression constante. Et ça se compte en dizaines d'années de travail, quoi, non ? Il faut être patient, c'est sûr. Ça se compte. Alors, après, ça dépend. Ça dépend de la personne, bien sûr. Ouais. Mais il ne faut pas se dire, bon, ben voilà, je fais attention pendant. Ça dépend de son âge aussi, parce que c'est pas pareil à 20 ans qu'à 60. Mais il ne faut certainement pas se dire, bon, ben voilà, dans 2 ans, c'est fini, basta. C'est pas comme ça, quoi. Non. Puis il y a des personnes très jeunes qui ont déjà un terrain. Bien en voie pour le cancer, ou qui ont déjà même eu un cancer, c'est pas du tout pareil qu'une personne qui, même si elle est un petit peu âgée, a toujours éliminé au fur et à mesure, n'a pas un héritage trop lourd, enfin voilà, Donc en fait, globalement, c'est vraiment... les gens sous-estiment énormément à quel point ils sont abîmés de l'intérieur, c'est-à-dire que ça se voit pas, donc voilà, on se fait beau... mais à l'intérieur, c'est pas beau du tout, quoi. Il y a des gens qui ont la réputation d'être jamais malades. Et c'est pas forcément ceux-là qui sont en meilleure santé. Ouais. Il vaut peut-être mieux avoir un corps qui élimine tout le temps, des gens qui toussent d'un bout de l'année à l'autre, qui au moins, ont des tas de petits symptômes. Éliminer, quoi. Qui,
des poussées de ceci et de cela, qui ont la grippe tous les ans. Genre moi, je suis jamais malade, quoi. Ça va pas. Et puis, il y a ceux qui sont jamais malades, mais alors le jour où ça... Attention, quoi. Ben oui. Arrête, ben oui. Non, mais on a des cas tous autour de nous, de gens qui font des concerts fulgurants. On n'aurait jamais pensé que ces gens-là... Oui, bah oui. Parce voilà. que le corps se tait, quoi. Ils avaient l'air en pleine forme, ils avaient l'air... Et puis voilà, il n'y avait pas d'expression. Est-ce que... là, ce que tu viens de dire, est-ce que ça veut dire que la capacité nerveuse du corps, c'est-à-dire la capacité à communiquer... Est-ce que c'est lié aussi à la détox, en fait? Par exemple, une personne qui... je vais attendre que la voiture passe. On va barrer la route. Par exemple, une personne qui fume une cigarette. Bon, bah, au début, ça va lui faire beaucoup de mal. Et puis petit à petit, on va dire que cette personne s'habitue, mais en fait c'est sa capacité nerveuse qui n'est plus en état de répondre en disant bon bah arrête de fumer, t'es en train de me faire mal. C'est juste que le corps se tait, c'est ça. Est-ce que la détox c'est pareil, c'est-à-dire qu'à force d'avoir... Oui, vas-y. C'est très important ce que tu dis, parce qu'il y a un processus qui fait que tant que du poison arrive en continu, le corps stocke. Une personne qui est sous antidépresseur, au début il peut y avoir une réaction comme à un poison et la personne va dire je ne supporte pas les médicaments, c'est pas possible. Puis le corps s'habitue et le corps stocke. Et tant qu'on en met, le corps stocke. Et vous avez des gens qui vont prendre des kilos. Et puis, le où on diminue ces médicaments, il va commencer à y avoir de l'élimination. Et puis, le jour où il n'y en a plus du tout qui arrive, alors là... Le chantier commence. Le chantier commence. Okay. Là, c'est terrible. Et c'est pour ça que c'est ce qui s'est passé au XVIe siècle quand ils ont commencé à soigner avec le mercure. C'est-à-dire que tu donnes un poison, le corps qui avait des symptômes d'élimination, pof, il s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a urgence, Céveso, là, on gère comment, etc. Le corps se tait. Et quand... voilà, quand il pèse le pour et le contre, quand ça redevient favorable, on sort les poubelles. Donc on vide. Si le corps se tait, c'est pas que sa capacité nerveuse est abîmée, c'est juste qu'il ne fait pas il l'élimine pas tout de suite, en fait. Pas forcément. Donc c'est vraiment c'est différent. au cas par cas. Il y a des gens qui ont les surrénales à la haute, ils peuvent pas éliminer, donc voilà. Il faut avoir une certaine énergie nerveuse, une certaine réserve d'énergie pour pouvoir. Et ça ne se voit pas forcément. Vous avez des gens, ils assument le quotidien et tout, comme si de rien n'était. Et on a dit vraiment qu'il y a de l'énergie. Mais, bien sûr. Et qui essaient de masquer un peu. Et qui s'effondrent, mais même pas. D'accord. Ils sont en surmultiplié tout le temps, ils ne se rendent pas compte que. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà, à l'heure actuelle, c'est tellement, on croit ça tellement tous les jours que c'est presque un état normal. Voilà. Mais ça, après, c'est vrai qu'il y a un grain de sable, il y a une charge émotionnelle qui arrive, un deuil ou n'importe quelque événement qui arrive sur le plan émotionnel et puis tout d'un coup... les vannes s'ouvrent et voilà, bon, donc la personne peut déclarer là quelque chose d'énorme. On dira c'est l'émotion qui l'a tué, ben c'est pas l'émotion qui l'a tué, c'est tout ce qu'il y avait derrière était tellement gros que tout a cassé les murs et tout. Voilà, c'est une déferlante. Ouais. Voilà. La poubelle se renverse, quoi. Oui, la poule se renverse et puis tout se répond. Ouais. Je voulais qu'on parle de la toxémie et la détox des tout petits. Oui, bah voilà, c'était ce que j'allais dire. Ah bah voilà. Ben voilà. Un mot sur ce sujet très important et difficile à admettre pour les jeunes parents. Les jeunes parents, ils ont un tout petit bébé qui est tout rose et tout attendrissant. Et on ne se rend pas compte qu'on a fait ces enfants avec
l'état dans lequel on était avec nos cellules. Donc les gens pensent qu'ils commencent à zéro alors qu'ils ne commencent pas à zéro. Ben non, si on a fait un enfant avec des cellules asphyxiées, les cellules avec lesquelles on a fabriqué sont des cellules asphyxiées, on n'aura pas un enfant avec des cellules claires. Donc les enfants héritent d'une grosse partie de la toxémie. La barrière placentaire, on a vu, elle laisse passer les toxiques. Mais il y a aussi que quand on a le foie malade, on a toutes les chances d'avoir un enfant qui va arriver avec un foie déjà qui ne fonctionnera pas bien. Hein, tous ces petits qui sont à 6-7 ans complètement anémiés, et ce jusqu'à 14 ans, ils ont tout le temps besoin d'un apport de ci, d'un apport de ça, c'est le foie qui ne fait pas son travail de synthétisation des minéraux, des vitamines, etc. Et il ne peut pas, quand je dis qu'il ne fait pas son travail, que le foie peine ou que les reins peinent, c'est parce qu'ils sont chargés déjà, chargés. Ils arrivent avec déjà un héritage, et celui des grands-parents, et etc., etc. Donc c'est très important déjà d'admettre ça, de ne pas avoir peur que l'enfant il arrive. Malheureusement, si on est enceinte avec des amalgames en bouche, on avale tous les jours. Donc forcément, pendant toute la gestation, on va transmettre. Mais les cellules du papa, pareil. Le papa qui boit du café, qui fume, etc., il va le transmettre. C'est pas que la maman. Même si pendant 9 mois, elle a l'enfant, donc ça dépend aussi quand même de ses choix alimentaires, c'est clair. Et je l'ai vu avec des jeunes parents au cru depuis 2 ans, 3 ans, et qui se gavaient de cacahuètes. Bon, ça plombe le foie. Ouais. Et voilà, on ne peut pas compenser la viande avec les cacahuètes, cajou, etc., en se disant je fais un max de protéines. Et malheureusement, on se fiche un sacré coup sur le foie. Tout ça, c'est quand même des graisses qui pèsent lourd. Voilà. Ouais, c'est pas pour rien que. Ils sont pas hydrosolubles. Que les arachides provoquent énormément d'allergies. Bah non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pour les organismes qui réagissent encore. On peut le dire comme ça, mais on peut dire aussi que pour les organismes qui, à l'heure actuelle, ont déjà plein, c'est la glucose. Ok. C'est pour ça que la plupart des gens, maintenant, et vous avez des tas d'enfants qui sont intolérants à ceci, à cela, et qui ne supportent plus. Alors, il y a l'intolérance au gluten. Le gluten est un poison majeur. Donc, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux s'ils réagissent à ça. Mais il y a aussi des réactions à des aliments, tout ce qu'il y a de plus naturel, comme la fraise, comme, ouais, ça, etc. C'est abusé. Mais ça, c'est parce que le foie. La fraise est un fruit détoxifiant qui nettoie le foie. On a tout dans la nature et ils ont chacun leur fonction. La fraise, elle nettoie le foie. Vous avez la pastèque qui nettoie le sang et les reins, etc. Mais ces nettoyants, ils sont trop forts quand il y a beaucoup trop de toxémie. Et donc on va avoir de l'urticaire. Ça, c'est parce que ça sort. Donc voilà. Et puis, si en plus de ça, on mange les fraises après avoir mangé un hamburger, ouais, bon, c'est pas bon, quoi. Là, il faudrait manger les fraises avant. Le cru avant le cuit. Hein. oui, mais... ouais. Et puis, les fruits en dernier, c'est pas bon. Je vais finir avec les enfants. Alors, si l'alimentation durant l'allaitement est elle-même toxifiante... Déjà, il faut savoir qu'avec l'allaitement, on ne transmet pas que du bon, parce que forcément, la toxémie héritée, on la transmet. Mais en plus de ça, si on a des amalgames en bouche, tout ça, ça passe dans le lait. Si on mange des conserves, si on mange du pain, si on mange des animaux, il vaut mieux ne pas allaiter, il vaut mieux faire un autre choix. C'est un petit cadeau, ça peut être très mal pris. Mais... si on allait, il faut vraiment, vraiment faire très, très attention à ce qu'on mange. Voilà, parce que tout ça, on transmet de l'acidose, en fait. Hein, on va déjà acidifier le terrain de l'enfant. S'il n'est pas déjà comme ça en arrivant. Hein. Voilà. L'enfant qui a été habitué in utero à des aliments cuits dès la naissance, il cherchera le cuit et il ne sera pas calme. Et donc, avec la meilleure volonté du monde, on arrive, on veut...
avec une prise de conscience, changer l'alimentation après la grossesse, à la naissance de l'enfant, c'est tout à fait faisable et puis il vaut mieux le faire. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des problèmes d'élimination. Il va y avoir des problèmes d'élimination, il va y avoir, voilà, ça ne va pas être tout simple, il va falloir changer de formule souvent pour accompagner, et voilà, mais ça se fait très bien. Voilà. Alors après, ben, le corps il est équipé d'organes pour faire face à la toxémie et à la montée des toxines. Donc il faut absolument prendre soin de ces émonctoires. Les nettoyer et puis les soutenir. Alors on peut être obligé de soutenir avec des plantes, hein. Sinon l'objectif c'est quand même de que les jus fassent tout et qu'on ne soit pas obligé de faire appel au complément. Mais souvent au début on est obligé de compléments. Bon, il y a les compléments puis il y a les plantes. C'est deux choses aussi différentes. Mais les plantes, ça va simplement des baies de genièvre. Jusqu'à une synergie de plusieurs plantes quand vraiment il y a besoin de beaucoup d'aide pour les rendre plus proches. Et l'émotionnel dans tout ça, Agnès ? Et l'émotionnel. Alors l'émotionnel, c'est certain que ça peut, dans un sens comme dans l'autre, ça peut changer la donne. On reçoit des émotions, on est impacté. Pendant ce temps-là, le corps, il va pas drainer comme il faut, l'impact va faire qu'on va bloquer de la toxémie à ce moment-là. Bon, il y a ça, et puis si on a des stress répétés, les émissions de cortisol qui sont déversées dans l'organisme, ça c'est une toxémie aussi énorme. Cortisol, c'est quoi ça? Est-ce que tu peux expliquer Eh bien, quand on a une émotion forte, le corps, il est fait pour apporter ce qu'il faut pour soit lutter, soit combattre. Une dose d'adrénaline dont le corps a besoin pour faire face. Et ça, c'est sécrété par les surrénales. Et donc les surrénales, si elles sont confrontées à un stress chronique qui revient tout le temps, elles vont s'épuiser. Et c'est là qu'au bout, il y a le burn-out, la dépression, etc. C'est qu'on ne peut pas sécréter comme ça tout le temps. Et en plus de ça, non seulement le cortisol, après, il faut que l'organisme l'élimine. Donc ça veut dire que ça va épuiser les reins. Mais en plus de ça, le cortisol qui est déversé, il va aussi faire de l'acidose. Faire de l'acidité qui vont... ça prend aux tripes, et puis c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a la courante, beaucoup de gens qui font dans leur, comme on dit, faire dans son froc quand on a la trouille, parce que effectivement tout ce cortisol qui est déversé, ça dérègle tout, ça bloque le foie, ça bloque la digestion, ça fatigue les reins et ça fatigue les surrénales, et ça fiche en l'air le biote intestinal. Donc quand c'est répété sur des mois, c'est-à-dire que un impact énorme d'avoir une diarrhée soudaine comme ça, mm-hmm. ça fout en l'air le biote intestinal. C'est pas une diarrhée. Non, mais ce que je veux dire, c'est répété. Bien sûr. Cette action, en tout cas, est nocive pour le biote intestinal. Oui. Ça acidifie complètement le milieu intestinal. D'accord. Et donc, de façon répétée, c'est vraiment préjudiciable. Parce que moi, je connais des personnes qui, le matin, font exprès de... qui sont constipées et font exprès de prendre un café et une cigarette parce que café-clope... Comme ça, ils vont aux toilettes. Ah, c'est connu. Ouais. Et en fait, c'est un moyen détestable. C'est sûr que c'est pas le bon moyen, mais c'est un moyen immédiat, effectivement. Ouais. Cigarette, café. Café au lait. Ça fout le foie en vrac, effectivement. Ça déconstipe, ça c'est clair. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que, comme disait Passebec, quand un poison arrive, par exemple des épinards, on dit ça déconstipe, etc. Le corps n'en veut pas, donc... Mais voilà, le corps il va essayer de s'en débarrasser très vite parce que c'est acidifiant. Ouais, les épinards bourrés d'oxalate, c'est pas bon. Voilà. Donc, par contre, à contrario, l'amour, la joie, la douceur,
renforce toutes les fonctions du corps et de l'esprit. Et le rire guérit. Donc ça, c'est très important. Voilà, à savoir que si on veut contrebalancer, il faut cultiver la gratitude, il faut cultiver le rire, il faut cultiver l'ouverture aux autres, il faut être positif. Alors je dis il faut, ça tombe pas du ciel comme ça. Hein. Mmh. On n'y arrive pas quand on est déprimé à dire bon, essayez de voir le positif. C'est tout un ensemble et privilégier les instants de joie, de rire, ne pas rater une occasion de rire. Aller voir des spectacles de comiques. Voilà, bienvenue les clowns. Le cirque, c'est plus ce que c'était, mais autrefois, quand vous regardez des vieux films, c'est pas si vieux que ça. Hein. Mais les gens savaient faire la fête, c'était autre chose. Et c'était salutaire. C'est clair que le contexte morose, on va dire, n'aide pas à être en bonne santé. C'est vrai. Et puis les émotions sont liées, la colère est liée au foie, le chagrin affectif, la nostalgie c'est lié au poumon, la peur c'est lié au rein, et c'est en rapport direct avec les surrénales, etc. Mais c'est intéressant ça, parce qu'on a souvent des expressions qui sont liées, bon là pour le coup c'est la peur au ventre, mais effectivement quand on a un chagrin ou un sanglot, niveau de la respiration, on est saccadé, on le sent au niveau des poumons. Oui, c'est impactant. Voilà. Si on est en bonne santé, qu'on a la bonne résistance nerveuse, qu'on a une bonne énergie et pas trop de toxémie, on va surmonter. Que ça soit un deuil, que ça soit une mauvaise nouvelle, etc., on va surmonter. Et on a les ressources pour, dans notre organisme, pour remonter. Donc ça sera sans problème. Mais si il y a une toxémie derrière, alors c'est là que ça impacte beaucoup plus. En fait, plus on est en mauvaise santé, plus on a de chances de l'être, quoi. C'est un cercle vicieux. Ouais. Tout comme il y a des cercles vertueux... pour la bonne santé. Quoi. Et oui. Alors quand la détox s'accompagne d'idées noires et de stress, retour d'angoisse, etc., il faut absolument regarder des films comiques quand il n'y a pas trop d'angoisse, parce que parfois les angoisses sont tellement fortes qu'on peut même plus regarder un film. Je disais qu'il fallait regarder des films comiques quand on se sentait pas bien pour essayer de ne pas avoir des idées noires et en plus de faire une détox. Oui, mais bon, parfois on n'est même pas en état de regarder un film comique. Moi, je me souviens d'avoir été dans un état où le moindre changement d'image dans un film, c'était comme si j'avais un immeuble qui me tombait dessus. Mais au moins, trouver des moyens simples comme se mettre à la lumière, faire ce qu'on aime, écouter de la musique, tout ce qu'on peut apporter, ce qui nous manque le plus. Donc, de la douceur, vraiment, tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi, aller marcher en forêt, se détendre et tout, essayer de retirer la culpabilité qu'il y a à ça. Et ça, c'est déjà se soigner, quoi. Et le rire soigne, il y en a qui se sont soignés de grandes maladies. Alors le nom m'échappe, là, je l'ai dans mes... ordinateur, ce gars bien connu qui s'est soigné uniquement par le rire. Il était atteint d'une maladie grave, incurable, et il s'est soigné c'était H24. Comment ça fonctionne dans ces cas-là? Parce que, si la plupart des maladies sont liées à des toxines, aussi bien dans le corps qu'aussi au niveau de l'émotionnel, si on peut parler des toxines de l'émotion, c'est-à-dire des événements traumatisants ou des trucs comme ça. Comment le rire, alors le rire certes soigne, en tout cas il aide à se sentir mieux, il aide le corps, mais comment seulement le rire peut le faire si la personne n'élimine pas ces choses, parce qu'il y a beaucoup de médecins comme ça, de thérapeutes qui disent le cancer c'est un problème, cancer du sein c'est un problème lié avec une relation avec ta maman ou des choses comme ça, telle maladie, et en fait ils convertissent tout avec de l'émotionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, je sais pas.
Oui, ils basent leur thérapie sur le déblocage émotionnel. Mais c'est vrai que le déblocage émotionnel, s'il est bien fait, s'il y a une bonne séance de MDR, on va débloquer l'énergie qui était bloquée. Et là, la circulation d'énergie va se charger de faire circuler. Et donc, effectivement, on va éliminer la toxémie. Un kinésiologue, il va vous faire boire de l'eau parce qu'il va dire que les émotions assèchent. Mais c'est parce qu'effectivement, dans ces cas-là, le corps, il élimine. Les fonctions excrétoires sont encouragées. D'accord. Voilà, si la personne fait les deux, ça peut être encore plus efficace. Mais évidemment, il faut mettre toutes les chances de son côté, évidemment. Il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. C'est pour ça que je dis, bon, agir seulement sur l'émotionnel, ça va si on n'a pas beaucoup de toxémie. Mais si on a une toxémie énorme, eh ben, on n'en viendra pas à bout. Et inversement, agir seulement sur l'alimentation. Mais si derrière, il y a des gros cas émotionnels, des gros chocs, une personne qui ne se pardonne pas ou... Oui, c'est-à-dire qu'en agissant sur tous les paramètres, on gagne du temps, forcément. Mais il faut savoir qu'avec les jus qui sont de l'information donnée aux cellules, on fait remonter tout ça. Les couches, même très très anciennes, finissent par remonter. Donc, je le dis ça parce que je l'ai vécu, c'est pas des choses en l'air. Donc, je l'ai vécu et je le constate. La personne, son environnement émotionnel et affectif va évoluer au fil des programmes. Au fur et à mesure que son corps s'éclaircit, son esprit s'éclaircit, et du coup, ses intuitions sont meilleures et on se débarrasse de tout. Parce que forcément, si on nettoie le corps, ce qu'on appelle à tort les corps subtils, qui ne sont pas des corps, qui sont des émanations du corps et qui sont donc des enveloppes subtiles, vont aussi changer de couleur. Une personne très malade, elle arrive avec une aura chargée, etc. Tout ça, ça va s'éclaircir. Et les émotions, les événements qui sont engrammés et qui sont écrits dedans, tout ça va se dissoudre aussi. Donc, il y a une interaction. D'accord. C'est vrai que parfois, on va avoir un programme qui va plus remuer les émotions et on va éprouver le besoin à ce moment-là de se soutenir, de faire des bains de lumière, de voilà quoi. Et, selon l'état de la personne. Et puis ça passe. Mais ça passe en douceur et parce que justement c'est un travail lent. Voilà. Il y a des choses, parfois ça va vite, le temps d'un éclair, et puis parfois il y a des choses qui vont être plus longues. Mais c'est pas un accouchement dans la douleur, comme on peut le vivre dans certaines thérapies où on pleure beaucoup. Ouais. C'est pas ça du tout. Non. Parce que ça part de la personne, donc ça ne dépasse pas les capacités de la personne. Pas comme si on fait une respiration holotropique et qu'on est submergé tout d'un coup par ce qu'on a ouvert des vannes. Voilà, c'est pas ça. D'accord, intéressant. C'est de la douceur. Ouais. Pour parler du pardon, moi j'ai connu une personne qui justement faisait les jeux mixés. Et en fait, cette personne avait vécu un drame et elle ne s'est pas pardonnée. Toujours pas à l'heure actuelle et du coup en fait ça peut bloquer la guérison, c'est ça? Ça bloque dans le sens où elle n'a plus la volonté? Non, elle n'a plus fait évoluer ses jus et ses mixés. À un moment elle a dit stop, j'arrête. Oui, les programmes se sont arrêtés en même temps. Ah oui. Voilà. Donc, parce que sinon, elle aurait continué d'évoluer. Mais c'est parce qu'elle ne s'est pas pardonnée qu'elle a arrêté. Enfin, voilà. Mais peut-être que aussi, le fait de se pardonner, ça ralentissait aussi le travail. Sans doute que ça ralentissait aussi. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le Ho'oponopono. Et quand on a
par exemple, une pathologie où on est arrivé avec de naissance depuis tout petit, etc., c'est quelque chose qu'on traîne et donc on va prendre les programmes, mais on va aller jusqu'à un certain point. Mais effectivement, il y a un moment où il y a des choses qui sont dans la personne codée comme de l'ordre de l'inacceptable. Et si elle ne dépasse pas ça, elle n'arrivera pas au pardon. Et donc, effectivement, elle sera bloquée dans l'évolution. Mais chacun s'arrête au niveau où il veut en rester. Voilà, de toute façon... Elle aura un boulet au pied, elle pourra continuer, mais c'est oui, plus lent, peut-être. Oui, elle peut avoir amélioré déjà suffisamment pour ce qu'elle estime, elle. Et si elle veut aller plus loin, ben, il faut attendre qu'il y ait une ouverture qui se fasse. Hein, ça peut être un événement qui va tout d'un coup la renvoyer à cette notion de pardon qu'elle a laissé de côté. Voilà. Il y a aussi des moments où on n'arrive plus à comprendre. Il y a un décalage. Et puis tout d'un coup, on revient sur ce qu'on nous a dit. On dit, mais ça, je ne l'avais pas compris comme ça. Et hop, tout s'éclaire et hop, on se remet en chemin. C'est merveilleux pour ça, mais il y a des moments où on a besoin de digérer les choses, on a besoin de faire des pauses, de digérer les choses, etc. Et puis on arrête un peu, et puis tout d'un coup ça se remet en route à la faveur d'un événement, d'un changement de vie, etc. Et puis ça recroise notre route sous une autre forme, et on se remet en chemin, et là on se rend compte qu'on avait laissé une dimension, on avait laissé une clé sur le côté. Donc voilà, il y a tout, il y a effectivement les notions de pardon, d'ouverture aux autres, de respect de soi, de tout ça. Et c'est vrai que si on en laisse une de côté, c'est les gens qui ne veulent pas entendre parler de la dimension émotionnelle parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont tellement, tellement mal, il y a tellement de douleurs là qu'ils ont peur d'y aller. Personne ne peut changer ça, c'est la liberté de chacun. Et chacun avec les outils qu'il a au moment où il est et le temps que ça va prendre pour chacun est différent. Dernière question, Agnès, pour clore un peu cette mise au point sur la détox et l'émotionnel. L'émotionnel. Détoxination, je ne sais pas le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en dehors des programmes pour améliorer cette détox, la stimuler, être plus fort face à cette détox? Oui, alors en dehors des programmes et pour les accompagner, pour être bien, au mieux, au maximum, ça tient en quelques mots, hein, à prendre en compte l'oxygénation des cellules. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les jus que vous voulez et manger tous les smoothies que vous voulez pour réparer. Si vous restez enfermé, si vous ne faites pas un peu d'exercice, il faut aider, il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc, oxygéner les cellules, air, lumière. L'air, la lumière, pardonner et rire. Je dirais les quatre axes. La quadrature du cercle. C'est pour oxygéner les cellules, ça? Non, c'est pour aider. Ah, c'est pour aider. Pour aider au maximum, en dehors des programmes de jus ciblés qui évoluent avec, il faut impérativement bouger son corps. Il faut faire circuler l'énergie. Donc, il faut se bouger. Il faut faire entrer de la lumière. Donc ça va être plutôt exercice physique, en plein air, dehors. Voilà, faut pas rester enfermé. Et puis, pardonner et rire. Et ça va être plutôt émotionnel. Au maximum, cultiver la bonne humeur, etc. Et puis si on est invité, on se lâche et on garde cette notion de vie, d'ouverture aux autres. Oui, les programmes faire des jus et se mettre au cru, c'est pas pour se couper du monde et s'enfermer dans sa tour d'ivoire. C'est au contraire partager et puis pas d'ayatollah du cru. Ouais.
partager. Et bon, alors effectivement, il y a des stades où on ne peut pas se permettre. C'est sûr que quand on est en détox, il y a des moments où on ne supporte rien, on ne supporte pas le moindre écart. Donc il y a un moment qui est obligé, mais ça c'est le chemin de tout pèlerin et de toute quête. Il y a un moment où on est obligé de se retirer du monde et où on va se tourner le regard à l'intérieur. Voilà. Et ça, on est obligé de faire ce pèlerinage à l'intérieur de soi. Et ça va être par période, ça peut être longuement d'un coup, ça peut être par petites touches, on peut arrêter puis y retourner et avoir des périodes au contraire d'ouverture, etc. Mais c'est incontournable d'allier les deux. Voilà. Mais de ne pas s'enfermer dans l'un ou dans l'autre. Hein, les gens qui vivent toujours en dehors d'eux et qui sont tout le temps dans le paraître, bon ben voilà quoi, c'est leur choix, mais ça n'aide pas. Donc une grosse base de jus et de mixé, et en haut pour aider une oxygénation des cellules avec de l'exercice, de la lumière, de l'air, et une partie un peu émotionnelle de rire et de pardon. Voilà, ça c'est très important, et il faut savoir que on a des choses qui sont bloquées parce qu'elles sont liées à ce qu'on a fait et qu'on ne s'est pas pardonné. Et est-ce qu'on s'autorise à passer à autre chose? Est-ce qu'on s'autorise à guérir? Ou est-ce qu'on se fait payer des choses indéfiniment? Voilà. La façon dont on comprend le karma va peser dans notre vie ou non. Voilà. Super. C'est un gros morceau. Un gros super morceau. Super intéressant, énormément morceau. D'informations. Et il faut savoir aussi, ça je le dis parce qu'on n'a pas la place de dire tout ça, mais j'avais tout un chapitre sur les maladies courantes et la détoxination. Les maladies aiguës sont détoxifiantes. Et les maladies chroniques, c'est qu'on n'a pas su écouter les maladies aiguës et que alors... le corps a installé des dysfonctions qui s'ancrent et qui se dérèglent de plus en plus. Voilà. Et donc ça, c'est important à savoir que toutes les maladies aiguës, comme la grippe, la varicelle, etc., ce sont des maladies qui ont une fonction. La grippe va nettoyer tout le corps, la lymphe, le foie, les reins, tout. C'est excellent. Quand on est en toxémie, d'avoir la grippe. Alors, plus on est en toxémie, alors, et plus on a un corps qui élimine, plus on va avoir souvent des grippes, etc. Bon. Et quand on est régénéré, quand on a fait un certain nombre de programmes, on n'a plus d'angine, on n'a plus de grippe, on n'a plus tout ça. Parce que à ce niveau-là, qui est le niveau de l'immédiat, du récent, voilà, c'est nettoyé, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais c'est des maladies à respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper les symptômes, il ne faut pas couper forcément une inflammation avec des anti-inflammatoires qui vont détraquer, brûler l'intestin et l'estomac. Non, il faut accompagner les symptômes et aider le corps à évacuer plus vite pour que justement il n'y ait pas de ces symptômes. Alors après, les maladies ont une fonction. Il faut savoir, par exemple, là je rejoins la médecine chinoise, pas souvent, mais par exemple, en médecine chinoise, on sait très bien que tout ce qui se passe dans la gorge, c'est lié au rein. Donc angine, amygdalite, etc., c'est lié au rein. La personne qui a beaucoup de toxémie rénale et à qui on retire les amygdales petits parce qu'il fait trop d'angine, il faut savoir que les reins ne vont plus avoir de porte de sortie. Donc c'est sur les reins que ça reste, et après, on peut aller au cancer des reins 20 ans après. Hein, parce qu'on a effectivement fait taire les symptômes. Donc ça, c'est très important. Vous retrouverez dans le bouquin tout ce que j'ai écrit et quelle maladie détoxifie quoi. Je n'ai pas la prétention de toutes les dire, hein, mais c'est important d'avoir ça à l'esprit, que les maladies, elles ont une fonction et elles ont une utilité. Voilà. D'accord. Pas toutes, pas ce qu'on fait parce qu'on s'intoxique de poison. Ouais. Ok. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Merci à toi pour ton travail. Ouais, pour cette excellente vidéo. Ouais. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.